Ouais. Allez. On est avec Jérôme de Azevedo, le coach de cette équipe de Saint-Gaudens. Alors Jérôme, bonjour. Bonjour. Vous avez donc fait une saison, on va dire, limite catastrophique. Comment vous expliquez cette saison très noire? Alors oui, c'est une saison compliquée. On n'a pas une seule victoire encore. On a des fois des scores fleuves contre nous. Je l'explique de plusieurs points. Premier point, j'ai pris les fonctions moi, tard de cette équipe. Donc le recrutement qui a été tard aussi. On n'a pas d'équipe réserve qui pouvait aussi nous alimenter. Et l'équipe junior qu'on a joue au niveau national et avec un effectif aussi très limité. Donc forcément, dès qu'on a un petit peu de casse, ça nous a coûté un forfait, ça nous a coûté des déplacements un petit peu difficiles en nombre réduit. Saison difficile, mais malgré tout, quand même, les joueurs gardent bien le moral et continuent de s'entraîner et s'entraîner bien comme il faut, à bien travailler. Alors aujourd'hui, vous affrontez cette équipe d'Albi qui est dans une vraie dynamique. Comment vous avez préparé ce déplacement? On a regardé, le staff a bien regardé le match de le dernier match contre Albi, où on a réussi justement à les contrer un petit peu sur la première mi-temps, même si après ça a été plus difficile parce qu'ils ont su nous malmener. Mais on s'est dit qu'on allait essayer de faire mieux sur le temps entier du match. Alors une question un petit peu personnelle pour terminer. Est-ce que tu seras toujours sur le banc des Ours de Saint-Gaudens la saison prochaine? Je serai toujours sur le banc de Saint-Gaudens la saison prochaine. Allez, on finit par un scoop. Merci. Bon match. Merci.